Bonsoir tout le monde, nous voilà de retour sur un apérobo qui en cette fois-ci marche, on a une connexion internet qui est opérationnelle, qui reste fluide. Donc comme chose promise, on avait MakerFi qui devait nous faire une présentation le mois dernier, du coup on va la faire ce mois-ci. Et on a rajouté aussi en bonus un projet qu'on a eu chez Caliban qui s'appelle CaliView, donc c'est un robot qu'on a mis en place. Sur aussi quelques petites annonces aussi par rapport à Caliban pour la prévision 2022 avec tous les salons qui vont être mis en place. Puis il y a même des adhérents là qui ont ramené 2-3 petits robots aujourd'hui. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter CaliView. Donc alors, mon cher régisseur, est-ce qu'on voit l'écran en image? Tac, allez, c'est parti. On va démarrer aujourd'hui par CaliView. Donc CaliView est un robot et un projet 100% Caliban. C'est un robot qui est un robot distanciel, c'est-à-dire qu'on peut le piloter à distance. N'importe où où peut être le robot, nous on a une certaine distance, on peut être à 10 mètres, 100 mètres, 1 km ou plus. On peut le piloter grâce à une connexion internet. Donc c'est un robot qui est entièrement fait en DIY. Vous allez voir la tête après à quoi il ressemble. Il peut être piloté depuis n'importe quel navigateur internet. Donc tablette, téléphone portable, ordinateur, ça fonctionne directement dessus, c'est un navigateur web. Et ça a été fait à partir d'une base d'un projet qui est complètement open source. Donc pour CaliView, donc on a eu plusieurs partenaires qui s'y mettent en place dessus. Donc c'était un projet qu'on a eu en partenariat avec MakerFi Paris. Donc c'était une volonté de faire un robot distanciel par rapport à la période du confinement qu'on a vécu. Donc quand j'ai eu les personnes justement qui sont organisatrices de MakerFi m'ont dit « Ouais Régis, ce serait bien de faire un robot qui peut être distanciel. » Je dis « Bah écoute, oui c'est possible, ça peut être dans nos coordonnées, ça, c'est dans nos cordes, il n'y a pas de souci. » Donc il me fait « Ouais, je vais faire fonctionner MakerFi avec nous. » Et les partenaires, parce qu'il faut savoir que MakerFi Paris fait partie du groupe Mullier, donc entre autres le roi Merlin. Donc il a réussi à nous retrouver du matériel pour qu'on puisse l'assembler. Ils ont un partenaire aussi, RS Copenhague, donc qui est plus à connaître, qui est très reconnu dans cet univers de la partie industrielle et le composant électronique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand bazar de l'électronique. Ça peut être du composant, du circuit intégré, des capteurs, tout ce que vous voulez. C'est mis sur leur site, on trouve vraiment de tout. Et on a rajouté aussi un de nos partenaires qui s'appelle Vigibot. Donc je vais revenir par la suite, mais c'était justement la clé de tout ça, justement pour mettre tout ça en œuvre. Et ce projet-là, bien sûr, comme je disais, c'était un projet Caliban, mais on a fait participer aussi certains adhérents sur ce projet-là pour faire fonctionner et le voir aujourd'hui comme il est. Alors voilà ce qu'on a eu comme matériel à l'intérieur. Donc on a eu un aspirateur, on va dire pourquoi, on verra après, des perceuses, du Raspberry, des servomoteurs, du fil imprimante 3D, PETG en l'occurrence, caméra, Arduino, NeoPixel. Donc l'objectif, si vous commencez à voir un peu la chose, c'est qu'on a fait du détournement de matériel. Donc l'aspirateur, il fera jamais aspirateur. Voilà, il a été détourné. Les perceuses ne perceront jamais de trous. Elles vont fonctionner justement pour faire la motricité du robot. Le Raspberry justement va servir justement en tant qu'ordinateur justement pour héberger son système. Les cerveaux moteurs pour gagner justement de la mobilité au niveau de sa tête. Et puis beaucoup d'impressions 3D à l'intérieur. Un retour d'image qui a été fait avec la caméra. L'Arduino, ça c'est le petit côté fun qu'on a mis dessus parce qu'on a mis des petites LED avec le NeoPixel. Enfin, on l'a un peu tuné en fait. Là, c'est le plan de montage. Donc on peut remercier Frédéric justement qui m'a filé un petit coup de main. Donc c'est un PCB, en fait c'est un HAT en fait qu'on va mettre directement sur le Raspberry Pi 4. Donc là, on peut voir le schéma de montage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pas un truc propriétaire, c'est quelque chose qui est entièrement open source et ce projet-là a été fait aussi open source derrière. Donc Fred, je me permettrai par la suite sur la vidéo YouTube de mettre en ligne le lien GitHub.
dessus pour que tu puisses montrer tout ça à tout le monde. Mais voilà, il a fait un super boulot en fait. C'est un hat à l'intérieur qui va utiliser des bons H qui va servir entre autres pour alimenter des moteurs pour la transmission. Il a aussi, on peut rajouter directement les servomoteurs moteurs dessus, les alimentations, bon, bien sûr avec des régulateurs de tension pour éviter tout griller au premier fonctionnement. Mais ouais, il a fait un super boulot, ce qui fait qu'on a juste à brancher les câbles directement dessus, bien suivre la notice de montage et normalement vous n'avez pas de surprise. Voilà, exactement comme dit Bruno qui est avec nous. Il nous dit fil rouge sur bouton rouge, fil vert sur bouton vert, c'est ça. Et le bleu, bah, hey, qu'est-ce qu'on fait du bleu, tu sais. Pour la partie software, donc ça, c'est. Comme vous avez pu le dire, j'ai pas dit plus pour l'instant, mais c'est bien Vigibot qui est derrière. Donc c'est un projet qui est open source, qui est en ligne sur le site RoboMaker. Donc c'était un projet qui a été mis en crowdfunding parce qu'ils ont sorti un châssis plus une petite carte bien spécifique à leur projet. Et aujourd'hui, il y a énormément de robots qui sont mis en ligne. Donc tout le monde peut en faire. On va directement pour savoir justement comment l'assembler ou du moins comment ça fonctionne. Il suffit d'aller sur le site RoboMaker. Sur le site, tout était expliqué à l'intérieur. Donc, ils disent de télécharger le fichier ISO, installer tout ça dans une carte SD et l'intégrer directement dans le Raspberry. Donc, dans le détail, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, si j'arrive à switcher l'écran, bien sûr. Alors, nouveau partage. Voilà, là on est sur la page d'accueil justement de RoboMaker et plus spécifique, on la voit pas, c'est formidable, c'est la magie. Alors, ah, je suis en écran là. Alors, ça veut pas switcher, bon, ça c'est toujours génial. Ça, c'est les lives. Ah voilà, ça y est, ça s'est affiché. Donc là, c'est la page d'accueil justement de RoboMaker. Et plus spécifiquement, si vous tapez Vigibot, vous tombez sur ceci. Donc c'est le site où justement il y a toutes les informations, toute la documentation pour pouvoir créer son propre Vigibot. Donc ils fournissent même un châssis type d'un petit robot. Donc si on a une imprimante 3D, on peut le faire, l'imprimer. Vous suivez bien les recommandations justement par rapport à l'équipement et le matériel. Et là, vous pouvez démarrer sur un petit Vigibot. D'ailleurs, qui s'appelle Minus, pardon. Si vous voulez faire quelque chose un peu comme nous, libre à vous. Vous pouvez très bien réadapter ce système-là sur un autre projet personnel. Donc voilà, je vous laisserai visiter ce site-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez toutes les informations nécessaires pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, on va retourner sur la présentation. Alors, tac. Alors, ça veut bien, voilà. Oh, la joie de l'internet, ouais, ok. Donc, je pense qu'il doit avoir. Ah là, ça y est, il y avait un petit décalage, on s'y habitue pas à ça. Donc voilà, donc vous avez tout directement sur le site robomaker.com. Donc, au niveau interface, voilà à quoi ça ressemble. Et si je vais plus loin, vous allez voir justement ce que voit CaliView. Donc là, CaliView est allumé. Pour l'instant, vous ne voyez pas à quoi il ressemble exactement. Et voilà, on peut vraiment contrôler la partie moteur. Bon, la partie... Oui, c'est normal. Alors, on vient me dire, oui, pardon. Il faut que je partage mon écran, personne ne le voit. Tac. Voilà, ça devrait s'afficher.
Alors. Ah là, ça y est. Bon, ça a mis un certain temps, mais ça y est. Ok, donc voilà. Là, on peut voir vraiment la caméra de CaliView, donc à l'intérieur. Donc, vous pouvez même voir les petits décrochages d'ailleurs au niveau du Wi-Fi. On peut voir vraiment la qualité du Wi-Fi ici, en fait. Hein. Et on peut voir effectivement toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Voilà, vous pouvez faire un coucou, les gars. Hein. Il y avait quelqu'un qui est connecté sur CaliView. Donc voilà un petit peu. Alors, avant de vous montrer réellement à quoi ressemble CaliView, je vais vous montrer la partie assemblage. Alors, le Alors, pour faire plus simple, le robot a été fait pour la Maker Faire. Donc, nous avons assisté à une émission studio télé justement qui a été faite spécialement pour la Maker Faire, où on avait eu un petit challenge justement, c'était d'assembler le robot en 40 minutes. Et je vais vous remonter la rediffusion. Bon, bien sûr, ça ne va pas durer 40 minutes la vidéo. Nous avons eu Fred justement qui a fait un petit montage dessus pour que ce soit vraiment compressé. Et vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. C'était assez folklorique dans l'histoire. Hein. Alors, le temps. Alors, tac. Ouais, je vous montrais apparemment, il y a un petit souci de. Bah, pareil, une connexion Wi-Fi. Bon, c'est assez saccadé. Bon, dans le dos, de toute façon, je vous remettrai le lien de la vidéo directement sur la page Facebook. Où là, vous pourrez la regarder tranquillement. Parce que là, effectivement, je suis désolé. On essaie de résoudre le problème de connexion Internet. On a trouvé une partie, mais pas tout entièrement. Mais bon. Donc voilà, alors, mon cher régisseur vidéo, mon cher Pascal, est-ce que tu peux switcher la caméra pour qu'on puisse me voir? Je vais switcher sur Kali. Ah bah oui. Bah à la limite, ouais, tu peux mettre la webcam, ouais. Alors par contre, les gars, on vous entend. Ok. Tac. Voilà. Donc on va y arriver, ça c'est la joie du live.
Bon, je suis désolé, on va changer de caméra. Donc. Alors voilà, vous pouvez voir Caliviu bouger justement, elle se balade. Ah ah, bah ça peut être quelqu'un n'importe où en fait. Hein. Non, t'inquiète pas, c'est sûr. Donc voilà, il est capable de se déplacer. Il y a un petit chatbot intégré dedans, donc si quelqu'un s'amuse à taper quelque chose sur l'interface, on va pouvoir l'entendre parler. Fred, tu peux la faire parler ou pas? Donc ça c'est rigolo. Donc les personnes en fait qui sont derrière leur écran nous entendent en fait. Et là, vas-y. Oh, à part que là il est en train de faire la chèvre, mais bon après je peux. Voilà, donc c'est l'interface qui est assez marrante à utiliser. Hein. Voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir sur le chatbot, hein, on peut réagir directement par rapport à ça. Voilà, bon, bot dans le pister, il veut parler. C'est un chatbot. Là, j'ai une question. C'est quoi la synthèse vocale? C'est un chatbot avec la voix TTS d'origine dans Linux, en fait. C'est pour ça que ça fait très saccadé robot. Mais ça va bien avec le style. Ouais. Donc, voilà pour ma partie présentation. J'espère que ça vous a plu. Sinon, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous, on regardera par la suite. On pourra vous répondre. Ça, il n'y aura aucun souci. Pour la partie Caliban, donc on est en train de préparer l'année 2022. Il y a énormément de salons qui vont se présenter. On va avoir par exemple Angers où il y a deux salons. On va avoir Nantes. On va avoir aussi Vitré qui est en train de sortir ses dates. On va avoir aussi Maker Faire de retour Lille cette fois-ci. Donc ça va être sympa. On va voir aussi, que je dise pas de bêtises, la Maker Fight, pardon. Ouais, je sais pas qui c'est la Maker Fight, je comprends pas, je ne sais pas qui c'est. Donc bien sûr, on les verra juste après, ils vont nous parler plus en détail aussi d'un événement qui sont en train d'organiser assez simplement sous peu. C'est pour le mois de mars, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc tous les adhérents, on risque de vous appeler à 500 morts sous peu justement pour savoir vos disponibilités. Parce que là, on a un planning qui est assez chargé là. Ah, il y en a un qui me dit qu'il n'a plus de pièces dans son téléphone. Mais t'inquiète pas, on t'appelle, hein, c'est pas toi qui nous appelle. donc voilà dans l'idée. Alors, au niveau côté Maker Fight, comment ça se passe à Mulhouse? Ouais, on t'entend très très bien, très très bien, très très bien. Alors, pareil, vous faites des trucs bizarres, vous, avec des robots? Ouais, t'en as un petit. Ok, vas-y, je te laisse faire ta présentation. Donc, Léon, justement, va nous présenter Maker Fight, qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, et les petits événements, enfin du moins le petit événement qu'il est en train de se préparer et se mettre en place assez sous peu. Léon, yes. Je te laisse le micro. Ouais. Allez, vas-y.
de perceuse pour faire les moteurs ou avoir une base roulante déjà du commerce qu'on va customiser. Pour avoir un petit peu plus une idée de vraiment concrètement ce que c'est qu'un combat de robot, vous avez une petite vidéo. Alors j'attends un petit peu ce que ça se trouve avec la latence. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui, on la voit très très bien et c'est fluide. Eh ben c'est nickel. Donc le principe, voilà, c'est qu'on a une arène qui est blindée, donc on a des tables métalliques blindées donc qui font le sol de l'arène. On a aussi des vitres en plexiglas blindées pour éviter de se prendre un stress. Peut-être le public en temps normal dans Makerfight est juste à côté des vitres. Et donc le principe, bah, c'est qu'il y a deux robots qui s'affrontent dans cette arène, donc qui fait à peu près 4 mètres par 4 mètres. Et donc un robot donc, peut perdre soit en étant complètement démoli, hein, c'est ce que vous voyez là sur la vidéo, soit par immobilisation pendant plus de 15 secondes. Sachant que là, les deux robots qui s'affrontent ont été faits entièrement par les participants. Donc ça, on y reviendra un petit peu après. Donc là, un autre exemple de combat avec d'autres types de robots. Donc il y a différents types de stratégies, en fait. En fait, donc, l'objectif, c'est de pulvériser l'autre, c'est ça? Ouais, c'est quand même assez violent, donc il vaut mieux faire des robots en métal, en fait. Il y a eu des années où il y a des robots en bois, mais voilà, en carton aussi, ils ont pas fait beaucoup de rangs, quoi. Donc c'est mieux d'avoir une bonne armure métallique, sinon ça castagne un peu, sachant qu'il voilà, y a plusieurs combats. Donc cette année, ça va être sur 2 jours. Si on a une vingtaine de robots, voilà, donc ça va faire quand même pas mal de combats entre les robots, donc il faut prévoir quelque chose d'assez costaud qui puisse résister tout le long. Alors, oui, donc en gros, donc l'événement, c'est un événement tout public, donc on peut venir y participer en tant que membre particulier, on peut venir aussi en tant que structure, ça peut être un Fab Lab, ça peut être une association, coucou Caliban, si vous voulez faire un robot de combat pour cette édition. C'est gratuit. Et c'est pas que des combats en fait. Il y a la scène principale, ça va être les combats de robots, mais en fait tout autour, ça ressemble un peu à une sorte de Maker Faire. En fait, il y a des stands avec des gens qui vont parler un petit peu d'impression 3D. D'autres, ça va être de la programmation. Enfin, c'est voilà, c'est l'idée en gros, c'est que la scène centrale, c'est les combats de robots, mais à côté, il y a aussi petit bruit de chips. À côté, il y a aussi des stands, des exposants qui viennent présenter donc leur projet. Dans la partie plus stratégique de robots, ça on verra un peu après, parce que vous allez voir, donc on va vous présenter au moins 2 robots qui ont des stratégies un petit peu différentes. On va voir la partie donc le se déplacer, attaquer, et surtout aussi ce qui est vachement important, ça va être la défense, parce que voilà, il y a pas mal de combats, donc faut être capable de tenir sur la durée. Puis voilà, donc la partie fabrication, donc il y a un petit peu de mécanique, un petit peu d'électronique, un petit peu de programmation. Sur l'aspect un peu plus réglementaire, pas de liquide. Pas d'explosifs, maximum 20 kilos et sans fil. Et pas de trucs vivants, parce qu'il y a une année où il y avait des gens qui voulaient mettre un hamster dans leur robot et on leur a dit non. Voilà. Si tu dis pas de liquide, pas d'explosifs, est-ce qu'on peut faire du liquide explosif? Ça passe ou pas? Non, ça passe pas. Non, parce qu'il y a le public qui est juste à côté, donc on veut pas trop. Enfin, les vitres sont blindées, mais voilà, faut pas non plus. Et puis voilà, après l'idée c'est que c'est un tournoi, mais l'idée c'est quand même que ce soit sympa, que ce soit un bon moment de partage, d'échange. Voilà, c'est pas. Enfin, je pense qu'il y a aussi une grosse partie qui est sur le fait de s'amuser en construisant le robot, de s'amuser en participant au tournoi, mais c'est pas dans un esprit compétitif, quoi. C'est plus partager, échanger, passer un bon moment ensemble. Et donc pour les dates, séquences, c'est les 19 et 20 mars. Et vous avez plus d'informations sur le site qui s'affiche ici. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que on peut vous montrer concrètement à quoi ça ressemble un petit robot. Alors, juste essayer de pas tout renverser. Donc là, par exemple, il est un peu long. Là, par exemple, on a un robot bélier. Alors, Léon, on voit encore ta présentation sur l'écran. Alors, je ne sais pas si tu veux switcher de caméra. Je vais faire ça. Mais nous, on veut les voir tes robots, hein. Ah ouais, t'inquiète. Je vais faire ça. Hop là. Ah. Alors, est-ce qu'on voit un peu mieux? Ah bah oui, là on voit. Puis on voit un gros rectangle avec 2 roues qui dépassent. Exactement, donc ce magnifique gros rectangle avec 2 roues qui dépassent, c'est Spider Cochon. Un petit peu de respect s'il te plaît. Donc c'est juste un robot en fait bélier. Donc l'idée c'est que c'est un robot qui est assez blindé. Donc on a des tôles métalliques. On a une magnifique petite queue de cochon à l'arrière. Parce que voilà, il faut.
Et puis surtout, ce qu'on a, mais ça, je vais en parler un peu plus, c'est en fait, on a des motherboards qu'on a récupérés et la carte, pas le pioté. Alors, on a pas mis la batterie. Et puis, l'astuce qu'on avait fait, c'est qu'on a tout monté sur fil. Comme ça, quand ça prend des gros chocs, ça peut encaisser. Et puis, on a une armure extérieure qui permet en fait, de prendre les coups, je ne sais pas si vous voyez sur le côté. Ça a quand même un petit peu ramassé. Donc, alors, ça permet en fait, d'encaisser pas mal les coups. Et bah, du coup, si tu veux, Chanda, je suis parti sur la partie un peu sur le motherboard, expliquer, montrer un peu le truc. Ok, donc bonsoir. C'est vrai qu'on utilise différents types de moteurs pour les robots. Il y a quelques années, j'ai commencé avec des moteurs de perceuse, avec des ponts en H, exactement comme le robot que vous avez présenté avant. Mais on a décidé de passer à des roues de hoverboard parce que ça se trouve assez facilement. En fait, c'est passé de mode, ils traînent dans les caves. En fait, beaucoup de gens ne les utilisent plus et en fait, ils sont revendus pour vraiment une bouchée de pain. J'en trouve pour 10-15 euros parfois. C'est vrai qu'ils sont parfois en panne, donc il faut faire le tri des composants, mais c'est vraiment du bon matériel par rapport au coût des pièces. Quoi. En fait, donc, ce que tu veux dire, c'est que non seulement tu utilises ce que je suis en train de voir sur l'écran, non seulement tu utilises des moteurs brushless, donc d'overboard, et en plus, tu utilises la carte contrôleur, d'après ce que je vois là en plus, non ? Oui, c'est bien ça. Donc, il y a quelques années un début de firmware donc un code partagé sur GitHub qu'on pouvait flasher sur ces cartes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a juste une puce STM32 dessus qu'on peut flasher sans problème. Et au fur et à mesure des années, il y a d'autres projets qui sont arrivés qui ont rajouté en plus des algorithmes de contrôle encore plus évolués pour les moteurs. Et moi, au fur et à mesure, j'ai appris, je ne connaissais pas grand-chose. Et maintenant, c'est vrai que je participe aussi au code et j'apporte des améliorations à ce firmware. Donc en fait, ce contrôleur-là, le contrôleur hoverboard, ça vient un contrôleur USC classique ? Exactement, avec possibilité de contrôler avec différents protocoles, avec des commandes de modélisme ou directement même en série depuis un Arduino ou un Raspberry. D'accord, ok. Non, c'est intéressant ça. Ok. Et je suis dans des groupes où des gens utilisent ça non seulement pour... Donc moi, je les utilise pour des robots de combat, mais il y a des gens qui font de la robotique avec, il y a des gens qui en font des trottinettes, ils les utilisent pour propulser des vélos ou des cartes, c'est vraiment des moteurs assez puissants et ça coûte pas cher donc ça fonctionne assez bien. Ah bah tu m'étonnes. Alors si je me permets, est-ce que tu peux nous fournir justement ce lien du GitHub? On le mettra sur le fil justement de la vidéo YouTube. Oui, pas de souci. Ok, super, je te remercie. Vas-y, je te laisse continuer. Donc voilà, ça c'est la partie électronique, on va dire, des derniers robots qu'on a fait moi et mon équipe. Est-ce qu'on va plus dans le détail ou est-ce que Julien peut montrer peut-être Oui, Julien peut montrer sur vous, puis après, c'est des gens qui ont des questions. S'il faut, je peux aller plus dans le détail. J'ai ramené ma base de test avec les moteurs de hoverboard et on peut faire un essai. Sinon, on a Julien qui a aussi un robot qui pourrait montrer en fait qui est d'un autre type. Ouais, Julien, tu nous entends ? Ouais, vous m'entendez là ? Ouais. Ouais. Donc j'ai un peu loupé le début. Je voulais juste savoir en fait qui c'est qui était présent. Donc il y a le tube et après il y a deux autres connexions encore. C'est qui alors ? C'est Caliban. Du coup, c'est ceux qui présentent l'événement. Donc là on est en leur live et du coup si tu voulais montrer Jbunk pour montrer un exemple de robot. Sinon, on peut continuer sur la partie. Si tu veux le temps que tu prépares le robot, on peut continuer sur la partie de chantage sur le grand test avec les moteurs de hoverboard. Bah, le robot, il est prêt pour le montrer. Par contre, il n'est pas branché, il n'est pas fonctionnel. Non, mais ça permet de montrer. Tu vois, moi, j'ai montré ce qu'il y a, il n'est pas. Si tu peux juste montrer. Et là, aujourd'hui, donc, le robot. Moi, j'étais en train de faire du câblage pour les cartes à Bernard, là, les petites. Donc, celui-là, c'est Fraise des Bois. Donc, c'est quand même un robot qui va faire mal.
C'est bien parce que le nom du robot est tout doux, en fait. Ouais. Ça sent la fraîcheur, donc, effectivement. Donc, rien que l'arme, elle pèse presque la moitié du robot. Donc, c'est une fraise de fraiseuse. Hein. Elle est vraiment massive. C'est du costaud. Mais bon, après, c'est conçu pour détruire. C'est pas fait pour chatouiller. Ah bah là, c'est sûr. À part si tu veux labourer le champ avec, je vois pas autre chose, en fait. Hein. C'est vraiment pour détruire. Donc après, ça, c'est celui-là, c'est Schbunk. Donc c'est un robot qui a déjà été déjà modifié et réamélioré. Donc lui, il a de la chaîne comme ça. Et il existe aussi une arme où j'ai un gros disque, un énorme disque de scie circulaire que je peux monter. C'est assez sympathique aussi. Et ça, c'est le troisième robot qu'on est en train de faire. Lui, là, il va avoir un disque qui va occuper toute la place du robot. Donc voilà pour les robots qui sont en cours de mon côté. Voilà. Et où est-ce que tu fais les tests exactement, par curiosité ? Comment ? Où est-ce que tu fais les tests justement, par curiosité ? Bah, et avec qui, surtout ? Les tests, je les fais chez moi, il n'y a pas de... contre des cafetières, des objets innocents. Voilà. En fait, tout ce qui est électroménager chez toi, il doit avoir un gros souci, non ? Ouais. Bon, après, j'ai aussi fait une tondeuse à gazon téléguidée. Ah, cool ! Et j'ai une chaîne YouTube, donc en fait, j'ai fait une vidéo de la fabrication de la tondeuse. Si tu tapes tondeuse téléguidée, Julien Blaise, tu la trouves sur YouTube. Ok, non, mais c'est intéressant ça, justement, ouais. Ouais, bon, les robots sont quelque chose d'intéressant, mais après, le savoir-faire qu'on développe, bah, il permet quand même de créer des objets du quotidien qui sont assez utiles, assez rigolos. Et c'est quelque chose qui est autonome ou radiocommandé ? Elle est radiocommandée, elle n'est pas autonome. Okay. Je n'ai pas un jardin qui se prête à faire de l'autonome. Okay. Et puis j'ai un chien aussi, alors... ce serait dommage de tomber le chien avec, oui. Ouais. Après, j'ai aussi fait une planche à roulettes motorisée. Ah, cool. Elle est aussi sur ma chaîne. Alors en fait, par rapport à ma chaîne, quand j'ai fait la vidéo, elle était téléguidée. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut aussi la piloter en tirant une simple ficelle qui est comme un fil à coudre et qui permet de donner un sens, une direction et une vitesse. D'accord, ok. Donc, t'as déporté en fait, la radiocommande conventionnelle en fait, sur une simple ficelle, c'est ça ? Ouais, en quelque sorte. Ok, cool, cool. Oh, plutôt sympa comme projet. Et après, ben, j'ai aussi fait une trottinette. Vu que, bon, après, là, c'est du marche-arrêt pour commander le moteur, tout simplement. Mais voilà, c'est sympa aussi sur une trottinette pour se déplacer. Ok, plutôt sympa. Bah écoute, ouais, bah, il n'y a pas de souci. Bah, si un jour tu veux nous présenter ce que tu fais en détournement, ouais, on est curieux, nous, on aime bien ça. Bah, Makerfight, je vais venir avec ma trottinette, la planche à roulettes et la tondeuse à gazon. Et tu veux la mettre dans l'arène ? Bah dans l'arène, non, mais pour te montrer. Ok. Bon, bah, je te remercie. À la tondeuse, je m'étais dit que ça serait rigolo de la faire circuler un peu dans le public. Mais bon, je vais montrer la lame en dessous quand même, par précaution. Ouais. Ça risque de faire des coupes de cheveux assez spécifiques, on va dire. Ouais. Ça risque de faire des dégâts. Ok, bah Julien, bah franchement, ouais, je te remercie. Bah après, ouais, si tu veux présenter un peu ce que tu fais chez nous, il n'y a aucun problème justement là-dessus. Bah d'ailleurs, il y a notre cher régisseur. C'est Léon qui partage. Ah, c'est Léon qui a pris la relève. C'est ma tondeuse. Ok. Ah, ça va, elle est assez compacte. Hein. Ouais, bah depuis que je l'ai fait, j'adore tondre le gazon. Je sais pas pourquoi. Donc c'est une thermique, d'accord. Ouais, et puis tu vois que tu mets ton téléphone dessus et hop, tu peux tourner le gazon assis dans ton canapé tranquille.
Ah ouais, non, mais ça, j'adore ça. Tout le monde adore. Ah, si t'as l'option, si t'as l'option de canapé, moi j'adhère. Ah ouais, mais là tu vendras à des milliers de personnes là. Bon, forcément, aller vite, ça tombe pas non plus très bien. Ah bah en tout cas, passe la tondeuse rapidement. Hein. Elle est pote la tondeuse. Hein. Je vais peut-être te montrer ma trottinette quand même, ça pourrait t'intéresser quand même. Bah si tu veux. Ah, la Batcave, tout le monde a une Batcave chez lui. Tous ceux qui, tout maker, Nick de Snow a toujours un petit coin pour bricoler. Et là, j'en entends, sauf le Parisien, effectivement. Ah, par contre, dans ta Batcave, vu que c'est une Batcave, elle doit être blindée. Parce que là, on le capte. Voilà, ça y est, on vient juste de récupérer le réseau, mais on a eu un petit pic de latence. Bah, tu vois, la trottinette, hein, c'est vraiment de la trottinette, hein, c'est pas de la trottinette de tapette. Hein. Ah mais je... Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Ah ouais, c'est deux roues motrices. Hein. Donc, ah, par contre, on est en train de te perdre. Si tu peux en chute l'avant, t'accélères plus à l'avant. Comment? En fait, il y a des... T'as des micro-pertes de connexion, en fait, ça saccade. D'accord. Ouais, la planche à roulettes, c'est ça. Donc là, je la dirige avec la ficelle. Ah, t'as fait le chariot qui va avec. Électriquement. Et après, elle a aussi une marche arrière, tu vois. Elle peut reculer. Si je pousse la ficelle, ça recule. Ah, en fait, on voit pas ta ficelle. Ah oui, ok, d'accord, ça y est, on la voit maintenant, ouais. Ouais, c'est bon. Là, si je pousse la ficelle, ça recule. Ok. Après, il y a une certaine longueur qui est sur du neutre. Après, si je tire un peu plus, elle se met à accélérer. Voilà. Ok. Et c'est un truc vachement cool, cette planche à roulettes. On a connu ça sur un autre projet, on va dire un petit peu plus artisanal, mais l'idée est vachement bien. Ouais. La personne qu'on a connue, en fait, a fait ça justement pour transporter du bois. Alors, est-ce que tu as l'option pour couper le bois automatiquement? Bah ça, faut le faire avec le robot de combat. Ah ouais, non, mais tu rigoles pas, en fait. Ouais, il faut la regarder avec le son, hein, parce que j'ai fait avec ça, avec la musique de Mario Kart. Ah oui, d'accord. Non, mais rien que l'image, déjà, ça parle, là. Hein. Ouais. Ok. Ah, super intéressant ce que tu fais. Hein. Tu t'amuses bien chez toi. Ouais, je m'occupe. Ouais, je vois ça, ouais, effectivement. Effectivement. Bon, bah écoute. Nickel. Bon, bah Julien, je te remercie. Est-ce que Léon est dans les parages? Je pense, ouais. Yes, ouais. Ah, nickel. Léon, ça ressemble à quoi chez toi? Alors, ici, voilà. Monte-nous un petit peu là où tu bosses. Salut les gars. Salut. On leur fait coucou. Ouais, ça bricole. Sinon, si tu peux passer sur des fins, ça peut parler vite. Alors, avec quoi vous faites vos robots, justement? Sur quelle base? Vous utilisez quel outillage?
Bah, les premiers, les anciens qu'on a battu. Je reviens dans une minute, je t'en cherche un vieux, puis je te montre le nouveau. Donc, le nouveau, c'est avec les explications d'âge. Ah, ok. Je peux te montrer un ancien. La petite pause technique de Léon, justement, qui est en train de, préparer tout ça. Ouais. Donc, en attendant. Donc si vous voulez assister justement à nos apérobos, donc physiquement on est au dernier bar avant la fin du monde sur Paris, donc vous pouvez venir, c'est tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, donc on sera toujours présent. On présente tout ce qui est projet lié à la robotique, tout ce qui clignote, on peut venir avec son robot sous le coude, on voit tout ça ensemble, on peut même boire un verre autour, enfin vraiment c'est vraiment collégial et bon enfant. Est-ce que tu donc nous voilà vois la... sur le... Alors, ça y est, il y a Léon qui est revenu. Dis-moi, Léon. Ouais, est-ce que vous voyez la base, du coup je sais pas si on a le... On voit toujours les gars qui sont assis autour de la table. C'est sur, ça se passe bien, les gars. C'est sur Technifub Scandast, on est en bas. Ah, ça y est, ça y est. On vient de switcher, ça y est, Léon. On voit le monstre, bon, là. Bah, ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'était les anciennes bases qu'on utilisait. Tu vois, c'est des... Donc on récupère des moteurs de perceuse. On a des points H, on a une carte qui a été faite par Christophe, si je ne dis pas de bêtises, ici au Technicube. Donc, tu as une base, tu as un Arduino, puis tu as des relais. Tu viens piloter du coup tes moteurs de perceuse, et puis après, tu peux rajouter éventuellement aussi un truc pour l'arbre. Donc, sur les anciennes versions, donc, l'idée, c'est bon, ça marchait pas hyper bien, mais l'idée c'est de faire trouver cette truc là super vite avec une chaîne de vélo. C'était pas ultra concluant, mais bon. C'est le robot que vous avez vu dans la vidéo, du coup, donc, il est en plusieurs morceaux, donc il faut voir ça tape quand même assez fort. Quoi. Alors, ce que je remarque, c'est plutôt au niveau de la partie de la lame. J'aime bien les pignons en fait, parce qu'en fait t'as des vitesses qui vont le nombre de tours que tu veux que la. C'est des pignons vélo, chaîne de vélo, c'est vraiment fait. Ça, ça a été fait avec des étudiants pendant Bot Project. Donc l'idée en gros, c'est qu'on avait pris une dizaine d'étudiants, puis on leur a fait construire un robot de A à Z en leur faisant faire le design du robot et puis en faisant la construction du robot. Quoi. Donc, Et ça change de vitesse? Non. Alors là, si bien. Tu le faisais, ça aurait été magnifique. Un petit thermo, puis un petit bras, et puis genre, faire tourner, ouais. Ok. Ouais, donc celui-là, t'as une scie, en fait, hein, qui va venir mettre un verre derrière, puis qui va venir monter et descendre la scie pour attaquer le... Mais celui-là, il est plus léger, c'était pour un autre événement où le poids était moins important, et du coup, c'était... Tu veux faire le tour du... Tu veux faire le tour du lab? Ah bah vas-y. Là on voit une bande d'arcade déjà dans un coin. C'est le seul truc en fait que tu vas pas mettre dans l'arène, je suppose, c'est de la bande d'arcade. Non, c'est clair. Alors à la rigueur, essaye de mettre le téléphone en panoramique. Parce que là t'es en portrait. Voilà. Nickel. Ah, on a l'image plus large, c'est formidable. Super. Tadam. Alors qu'est-ce que c'est donc cette table? Ça, c'est la fraiseuse qu'on cotise pour le bois. Donc, on peut venir usiner la 3D ou en 3D. On vient arracher la matière. Donc, par exemple, on a fait la bande d'arcade. T'as quoi comme superficie de découpe? Superficie, on a à peu près à 140 mètres carrés entre le bas et le haut. De découpe. Ah, pardon, découpe. Ah, excuse-moi, je pensais que je parlais de la superficie du lab. Non. Ah, 140 mètres carrés de découpe, alors là. Ouais, non, c'était violent. Hein. Non, ouais, on est à peu près sur du 1 mètre par 2 mètres sur le. Sur ce qui est quand même pas mal. Hein. Et donc là, tu vois, la bande d'arcade qui est là, on l'a faite avec la. T'as encore les marques derrière sur le marty, on voit les marques sur la machine. Si vous me le dites avant, moi, je vais bien vous donner un coup de main. Hein. On en aura. Parce que on a déjà fait. Je peux venir après le boulot, mais non, on va faire le tour pendant que ça charge.
là, on a la partie qui est un peu plus makerspace. Donc, on a un tour. Alors là, c'est pour tailler les allumettes, c'est ça? C'est pas mon truc, ça. Hop là. C'est mon meilleur pote, il est médecin. Il suffit que je demande. J'arrive. Donc ça, c'est à la bande d'arcade pour faire des pauses entre deux robots, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Non, parce que surtout pour les gens apprennent, en fait, on fait des projets participatifs où les gens en fait, apprennent à utiliser des machines sur des gros projets. Et donc là, bah, l'idée, c'est d'apprendre à utiliser la CNC du Fab Lab. D'accord. Les gens, du coup, bah, les panneaux. Bon, parce qu'en fait, sinon, le reste, c'est assez classique. Hein. C'est une Raspberry Pi, il y a une surcarte dessus qui connecte les boutons, puis c'est quasiment vide. Quoi, Ok. Ça, hein. Attends. Et en fait, vous avez mis qu'un seul jeu dedans, c'est Street Fighter, quoi, c'est ça? Non, il y en a plusieurs milliers dans les jeux de dans le parce que. Ok. Ah bon, bref, voilà, ça c'est un des projets qu'on a fait. Notre projet marrant, je ne sais pas si vous montrer, c'est le cocktail. Ah, oui, le robot cocktail à consommer avec modération. Donc ah, ça, on connaît un concurrent, mais il est plus volumineux, le concurrent. Mais Léon, tu dois le connaître aussi. Hop là. Donc là, tu as choisi mon tour, ta Margarita, pour calibrer ce que tu veux. Et hop, tac, hop. Donc là, t'as l'air qui est dessus, ça se déplace. T'as des doseurs avec les bouteilles d'alcool qui sont cachées absolument ici. Hop, tac. Donc tu mets la bouteille à l'envers sur le doseur sur rempli. Et après, t'as juste un cerveau qui vient pousser. Qui vient pousser, du coup, donc le. Excellent! Voilà, donc à la fin, ça se fait le cocktail. Faut juste pas se tromper dans l'ordre, parce que la dernière fois, on s'est un peu planté sur les softs et puis les alcools, et c'était pas bon. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Ça, en gros, le lab, il est divisé en deux niveaux. En bas, c'est tout ce qui est bruyant. Et ça, c'est tout ce qui est un peu plus propre. Donc là, par contre, on a un poste à pousser dans la composition des studios. Donc là, on a des clous plasma, poste à sous-débit. Donc là, on va venir souder l'armature des robots. Et puis à l'étage, on a la laser, les imprimantes 3D. Tout ce qui est découpe, c'est là-haut. Ok. Ouais. Donc là, on a la laser. On a CNC ici pour les PCB. Et puis là, on a tous les imprimantes 3D. Et puis, la zone pour la CRO, on a aussi l'Arduino. Et on a une écoute d'unité qui cache le dos. On va avoir le son en double. Ouais, on va avoir coupé, ouais. Ouais, je coupe le son ici. Allô. Ah, il y a un Tactistop qui essaie de parler du coup, Léon. On n'a plus d'image. Alors attends. Il faut passer à l'autre de nouveau. On est de retour. Ouais, on est de retour sur le canal Léon. Ah, ouais. Ah, on retrouve les gars. Ça va, les gars? Ouais, ça va toujours. Ouais, nickel. Du coup, si vous avez des questions sur les robots, si peut-être tu veux montrer aussi le. Alors, est-ce que tu peux me détailler exactement l'événement que vous organisez? Combien il y aura d'exposants? Qu'est-ce qui va se passer? On va savoir. Ce sera les 19 et 20 mars. La liste d'exposants, c'est encore en train de progresser doucement, mais sûrement. Donc, ça, c'est... Il y a déjà une quinzaine d'inscrits. Oui, voilà, il y a une quinzaine d'inscrits sur le robot inscrit. Ouais, on est à
facilement 15-16 robots inscrits. Quoi. Ouais, une bonne, sachant qu'il y a aussi des robots pour la première année, il y aura des robots qui vont venir de l'étranger, donc ça va être un peu ça. On a deux équipes, il y en a une d'Allemagne, je crois, si je ne fais pas de bêtises. Une équipe combinée Pays-Bas-Belgique et une équipe Pays-Bas. Oui. Donc voilà, ça va être sympa. Donc comme dit, c'est 19 et 20 mars, c'est gratuit, donc voilà, ça sera à Mulhouse, à Motoko. Et puis si vous voulez plus d'infos, bah, je peux t'envoyer le lien là-dessus. Donc, c'est makerfight.fr. Il y a toutes les infos dessus, je peux le mettre sur... Je peux partager mon... Est-ce que tu as des vidéos justement des anciens salons ou autres? Ouais, ah bah super. Je trouve ça. Donc Makerfight, en fait, ça apparente un peu à l'univers un peu américain avec les robots BattleBot qu'on peut retrouver sur Netflix ou autre. Donc, ça représente un petit peu le concept, sauf que à défaut, sur la partie France, il n'y a pas de liquide, pas d'explosion ni quoi que ce soit. Alors voilà, ça y est, on a la vidéo. Oui, donc en fait, si Dieu, c'est comme tu as dit, hein, c'est inspiré en fait de BattleBot aux États-Unis en fait. Et donc là, voilà, c'est dans le, comme dit Christophe, dans l'entrepôt de Motoko. Donc là, tu as la construction de l'arène avec les bénévoles qui aident à mettre en place l'arène. Puis après, tu as des exemples de stands qui sont à côté. C'est Crush the Flag, les bénévoles. Ah, et on attend avec impatience le centre Caliban. Presse, les bornes d'arcade, et donc en fait, t'as tout lui qui est à côté. Certains robots là, on est encore mute. Non, c'est bon. Hop, c'était bon, le panier. Je sais. Il est là. Donc tu as des pièges dans l'arène aussi, t'as différents... Oui, il y a des enfants. C'est aléatoire, hein, ou c'est commandé par les enfants. Commandé par les enfants au public. Ah, d'accord. Dans le manuel et on place les enfants. D'accord. Mais le pieu, je pense qu'on va le mettre en surveillance. Non, avec une... on va surtout le mettre costaud. Plus plein. Oui, on a ses pleins. Ah, parce qu'on a... Ça va être un profilé, aussi, de 30 par 30. En 2000 d'épaisseur, mais malgré les 2000. Il y en a qui l'a dynamique. Donc on va prendre du 40 par 40 plein. Donc il y a sur, en fait. Celui qui l'a plié, il s'appelle Bernard, je crois. Oui. En fait, l'arme, on l'emmerdait, donc il a fait exprès de tenir. Ah, bah, il est bien. Voilà. L'idée est Voilà. On les a perdus. Ah, ok, sais. Bah ouais, c'est super sympa. Super sympa. Bon, bah, nickel. Est-ce que notre cher régisseur a des questions sur YouTube ou autre? Ouais, on a des commentaires qui nous disent c'est un truc de ouf. Ouais, bon, effectivement, des robots qui sont pleins de la tête dans la tête, effectivement, c'est pas commun. Si vous êtes en coin, n'hésitez pas à y aller, au contraire, c'est quelque chose qui mérite d'être vu. Pour l'avoir vu personnellement à Paris, côté Maker Faire, parce qu'il y avait une petite exhibition, on va dire gentille à l'époque, c'était plutôt sympa. Donc, est-ce que dans la foule chez nous, vous avez des questions? Ah, on a une super question de Stéphane. Alors, la question de Stéphane, vas-y. Non, moi j'ai une question. Alors, j'imagine que les robots, bon, très bien, vous mettez du temps en fait à les faire. Et lorsque ça arrive en fait en arène et que c'est détruit. On n'a pas hyper bien entendu, tu peux répéter la question s'il vous plaît? Alors, attends, je vais rapprocher le micro parce qu'on était en cours, on était à court de câble là. Rapproche-toi mon petit. Parle au micro. Allô, bonjour micro. Ouais, non, ma question c'était, vous passez du temps à construire en fait ce robot. Arriver en arène quand il est détruit ou détérioré en fait très rapidement, est-ce que c'est pas très frustrant?
Non, ça fait partie du jeu. En fait, il y a une partie aussi du plaisir qui vient en fait justement de construire le robot, de après d'être tous ensemble. C'est, voilà, c'est comme dit, c'est un événement qui est marrant, quoi. C'est pas. Donc, non, après, il faut pas faire un robot de merde. Hein. Faut faire un robot qui détruit les autres. Faut partir du principe que faut gagner. Hein. Ah bah c'est l'objectif. Alors, je te dirai en même temps, ouais. C'est pas la ligue officielle. La ligue officielle, c'est faut s'amuser à faire le. Non, mais tu veux pas te dire, il y a autant de plaisir dans le fait de construire le robot, de s'amuser à faire le design, tester le design. Ouais, tu m'étonnes. On a une deuxième question de José. Oui, alors il y en a parmi nous qui seraient plus favorables à des combats de robots autonomes. Est-ce que vous prévoyez ça? Donc pas des télécommandes. Non, ouais, là, c'est, voilà, effectivement, c'est dans le terme, on dit robot, mais c'est plus machine débordée. En fait, pour raison de sécurité, on préfère qu'il y ait, d'ailleurs, il y a dans le règlement, si vous êtes sur le site, c'est marqué. Ah, donc il y a quelque chose qui est charté quand même. Il y a une charte par rapport à ce type d'activité. Ok. Si ton robot, t'as un bug et il commence à tourner pendant 2 heures dans l'arène, ça va être un petit peu long. Donc, normal. Si tu perds la communication avec la télécommande. Tu sais qu'il y en a qui font des films avec ça. Hein. Ouais. mais du coup, après, l'idée, c'est que voilà, si t'as, normalement, dans le règlement, si tu as une perte avec la radio pendant je ne sais plus combien de millisecondes, tu coupes le robot. Non, mais objection, on pourrait faire de l'autonome avec un truc de sécurité qui une mise en arrêt à distance, exactement, ouais. En cas de un certain nombre de conditions qui sont remplies. Ce qui est dans le règlement, c'est que tu peux faire un robot, donc il faut que ce soit piloté. Après, rien ne t'empêche par contre de faire une arme autonome. C'est-à-dire, par exemple, tu peux avoir un capteur de distance et puis quand tu es sur un proche, ça déclenche automatiquement l'arme et tu n'as pas besoin de le faire manuellement. Ça, ça pourrait être, pour l'instant, dans le règlement, c'est demandé que ce soit piloté. Quoi. C'est-à-dire que tu as un pilote par équipe qui pilote le robot. Et pas en filaire, pour des raisons évidentes. Et votre règlement, c'est votre règlement à vous ou c'est plus ou moins inspiré d'autres combats et avec des règlements qui ont déjà été faits ailleurs? C'est, je pense, clairement inspiré des combats aux États-Unis avec Battlebots. Après, oui, c'est le règlement qui est fait par les membres de l'association. Donc, c'est notre événement, on met le règlement à nous. Bon, il y a quand même des choses qui sont faites pour la sécurité du public, impliquant l'absence de projectiles, le poids limité à 20 kg max. Sachant du coup que ça c'est important, c'est que si le robot fait plus de 20 kg, il rentre pas dans l'arène. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Il vaut mieux être à 19,5 qu'à 20,1 parce que 20,1 on ne peut pas dans l'arène. Ok. Bah écoute, je te remercie infiniment Léon de nous avoir montré un peu à quoi ressemblait Maker Fight et justement l'envers du décor justement avec le matériel, le robot, comment c'est fait à l'intérieur. Julien aussi pour nous avoir montré toute la partie de ses projets aussi de son côté. Je vous remercie infiniment. Donc on vous retrouve, tu m'as dit, du 18 au 20 à Mulhouse, c'est ça? 19 et 20 mars. 19 et 20 mars à Mulhouse, exactement. Donc voilà. Donc je vous remercie infiniment de votre participation. Pour les autres qui nous regardent, donc n'hésitez pas à aller à la Maker Fight, au contraire. Pour nous, pour la partie Paris, donc si vous voulez venir nous voir, il n'y a pas de souci, hein, comme je disais tout à l'heure. On est présent tous les deuxièmes mercredis chaque mois au dernier bar avant la fin du monde. Donc vous pourrez voir plein de robots, des trucs qui clignotent, enfin bref, des trucs sympas, du bricolage et aussi des activités. Il y a de temps en temps, on a des professionnels aussi qui interviennent pour montrer justement des projets qui, franchement, plutôt pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, est-ce qu'on a d'autres questions, Pascal, au niveau du chat? Ok. Donc voilà. Ok, bon bah écoutez, on n'a pas plus de questions, donc bah écoutez, je pense que pour ce soir, c'est plutôt pas mal, hein. On a vu pas mal de choses, hormis quelques coupures internet, mais bon, ça s'est stabilisé. Je vous dis rendez-vous pour le mois prochain, donc le deuxième mercredi du mois de mars, et on va voir ensemble justement un autre projet que quelqu'un va nous montrer. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à tout le monde, et à bientôt. Salut, merci pour la vie.